La sœur bébé Marie-Victorine, dimanche passé, j'ai été violemment battue par le père de mon enfant. Aïe. Fallait que je lise ça avant de lire. Dimanche passé, j'ai été violemment battue par le père de mon enfant qui est rentré totalement ivre. Pendant qu'il me frappait, il a donné un coup de latte sur la tête de notre bébé de 11 mois que je tenais en main et celui-ci a complètement perdu la tête. Il était traumatisé et s'agitait de façon étrange comme s'il n'était plus normal. Bref, je ne parvenais plus à reconnaître mon bébé. Il était devenu comme épileptique. Je l'ai conduit à l'hôpital où les médecins ont effectué un scanner qui a révélé que l'enfant avait subi un grave traumatisme cérébral. C'est alors que dimanche passé, j'ai pris part au culte ici. On m'a enregistré aux urgences. Une maman à qui j'ai fait part de la situation m'a dit que je dois absolument prendre une bouteille d'eau ointe. Et j'ai approché les pasteurs, on m'a donné, j'ai administré à mon bébé en priant au nom de Jésus-Christ. Le même jour, un très grand miracle s'est produit. Mon bébé est redevenu instantanément normal. Il ne s'agit plus, il joue normalement, il rit normalement, il est de nouveau heureux. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir le cœur rempli d'une très grande joie. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grande puissance. Oh, aïe, baba, baba. Lève-toi et acclame Jésus-Christ. Et le papa du bébé, il est là. Non, papa, j'ai sa photo. Tu as sa photo. Donc, c'est la bagarre qui a fait l'œil comme ça. Oui, papa. Regarde. C'est là. Constant. La première grossesse, là, battue sur moi, l'enfant est mort dans mon ventre. Là, je première grossesse, il t'a tapé, l'enfant est mort. Dans le ventre. On m'a opéré à gynéco. J'ai dit, tu es orpheline de père et de mère. Are you fatherless? Je suis orpheline de mère, mais je ne connais pas mon père. Ah, tu es orpheline de mère et tu ne connais pas ton père. C'est ça. Dis à ton voisin que c'est ça. That's the issue. Quand tu n'as personne sur la terre, c'est ça. When you have nobody on this earth. Oh. Ton mari là, il est où? Where's your husband? Il est à Fanoyo, papa. Il est à? À Fanoyo. Bon, maintenant, si tu lui dis que je veux le voir, il va venir. Non, papa. Il va pas venir. Même quand je partais avec le sel ou l'huile bénie, je mettais dans la maison, il disait que je ne vais pas l'empêcher d'accomplir sa mission. Sa mission, c'est quoi? What's his mission? Je ne sais pas. Une fois, j'ai pris les jeunes ici à l'église. Ils me demandent que pourquoi quand on me cherche dans la nuit, on voit seulement le sang avec le feu. Quand on te cherche dans la nuit, oui. On voit le sang. Avec le feu. Avec le feu. Papa. Et toi, tu es toujours là. And you are still there. Donc, les hommes sont finis à Yaoundé. So men are finished in Yaoundé. Viens ici devant, on te fouette. Viens rester ici. Come oh, oh. And be whipped. Quelqu'un me donne la spatule. Can I have a spade? Ça va aller. Tu travailles. Do you work? Dis à ton voisin que c'est ça. C'est comme ça. That's it. Bon, tu veux faire quoi? What do you want to do? Papa, je fais dans la coiffure. Tu fais dans la coiffure? Oui, papa. Donc, tu veux faire quoi comme activité? Que tu sois financièrement indépendante. Parce que quand tu es orpheline de père et de mère, tu es financièrement indépendante. Ah, coco, tapata. Ah, ton cas est grave. Donc, tu veux faire quoi? What do you want to do? Salon de coiffure, papa. Salon de coiffure, ça veut dire quoi? Avoir le casque là. Oui, papa, et tresser. Donc, tu veux le casque. Monter aussi les perruques. Hein? Je tresse et je monte les perruques. Tu connais brûler les cheveux des gens dans le casque? Oui, papa. le casque coûte combien? Le casque coûte combien? The helmet is how much? Hein? What's the price of a helmet? Ça coûte combien? 100. Ok. Donc l'église, nous, on va t'offrir le casque et puis le matériel pour faire le salon. Amen. Ta manière de dire amen là, c'est pas bien. Les ministres là sont où? Where are the ministers? Papa, on pardon. Tu as le téléphone? Do you have a phone? Non, papa, j'utilise un téléphone. J'avais le téléphone, il a jeté son toilette. Ton téléphone, il l'a jeté aux toilettes. Oui, papa. Il y a ton voisin Africo. Libérez les femmes, libérez les femmes. Free the women. Free the women, free them. Child! Libérez-les. Continence. Prends, je ne sais plus comment on va faire, donc, prends son nom, elle vient ici demain, tu lui remets. Donc, ça veut dire qu'on achète le casque tôt le matin. Donc, viens ici même à midi.
Come here Amen. Around noon. On te donne le casque, le you nécessaire. The helmet et peut-être même 100 000 pour acheter les mèches et les machins. Maybe 100,000 to buy the mesh. Donc voilà. Oui, voilà. Acclame le Seigneur.